Bon, et son pays qui ont été classé et qui est dans une situation qui est vraiment difficile, difficile. Donc, l'insécurité a galopé. Donc, le travail, le chômage vient augmenter. Et les gens ne peuvent pas participer dans une activité sociale à cause de. En fait, le département sud n'a pas souffert de ça, le département nord là, ou bien Port-au-Prince, c'est les gens qui sont dans l'ouest à souffrir. Mais alors, en général, donc, c'est un pays qui est en crise. C'est un pays qui est en crise. Donc, et socialement, il n'y a pas marché. Et politiquement aussi, c'est-à-dire que nous avons l'église là, on ne peut pas fonctionner. Bandi a rentré au grand pasteur. Tout récemment, nous comprenons ça qui fait. Et dans la zone Canaran, côté grand pasteur qui pour qui fidèle pour aller Canaran, et c'est bien malheureux, il dit qu'il y a plus de monde qui mourent. Mais tout ça, yo, malgré critique pour monde qui a gagné du pasteur, hein, mais nous, le gouvernement n'a pas de responsabilité. Parce que si le gouvernement n'a pas de responsabilité, donc c'est pas un pasteur qui a privé dans l'opposition, côté que lui-même, il a pris à chercher pour résoudre un problème qui c'est responsabilité au gouvernement. Il y a un message pour le gouvernement. Il y a un message pour le gouvernement. Ah bien, mon cher, et Fomdou qui sait. Et sous ben tête comme yon responsable un leader et position venir avec des responsabilités. Quelle est la responsabilité d'un leader? Quelle est la responsabilité d'un chef de gouvernement, d'un premier ministre ou bien président? Responsabilité première, c'est sécurité pays. Donc non pays côté il y a aucune sécurité, monde pas en sécurité, pays a pas qu'à marcher quelque chose soit capable de dire. Donc nous t'a demandé à ce que monsieur Sayo t'a prend responsabilité en tant que leader. C'est où que baille tête aux propositions, donc faut ta faire travail, assurer que le monde va vaquer. Il y a presque 3 ans ou 4 ans, il n'y a pas de capacité de Matisse. 5 zones presque bloquées sous base. Donc, que dit le gouvernement? C'est comme si vous avez un silence absolu qui t'a marché, qui t'a venu avec son complicité. Pourquoi le premier ministre ou bien son gouvernement ne dit rien? Donc, on a parlé de faire rentrer une force étrangère pour t'agarder. Comment tu es capable de porter support? Alors que le pays a une équipe militaire qui a payé, nous demandons est-ce que l'agence a pas fait mieux avec les militaires pour être capable de mettre au dehors et porter support dans la zone ou bien pour permettre que les gens vaquent dans l'activité aussi. Il y a des gens qui t'a fait quoi? C'est parce que la police n'a pas accompagné le pasteur qui fait échouer dans le mouvement. Bon, et selon ça, me tente moi-même, comme pas de connaître l'idée première pasteur là, et objectif là. Mais si objectif pasteur c'était évangéliser, tout comme ça t'est fait dans le village de Dieu, dans la période, pas de grand rien qui t'est fait, et moun yo t'est allé, ou t'est évangélisé, moun yo tourné. Maintenant, si l'idée c'est pour aller déchouquer ou bien aller bay bandi à bois calé, et ceci, ou annoncer ça avant les arrivés, en même temps, pose un problème. Parce que, en quel bandit, même si n'est pas dans le droit, en même pas prêté avec ses bras croisés pour venir vous tuer, donc la préparer pour. Parce que, si moun ka avec manchette, ou te ke bon bandit, ou t'a pas assassiné. Donc, qui fait que c'est pas pour bandit ou pas pour bandit. Donc, moi, pense que ça, c'était la responsabilité du gouvernement pour assurer la sécurité. On passe tout à prêter dans le domaine d'évangélisation pour l'évangéliser. À quoi bon passer ta besoin à le délivrer, de libérer un monde qui kidnappé. Donc c'est pas le travail d'un pasteur ou bien d'un chef d'église. Ça c'est responsabilité de la police ou bien du gouvernement. Donc moi pense que un pasteur qui t'est médiatisé ou bien fait publicité de machinier, c'est son erreur. Deux, je ne crois pas que si la police t'a conduit ça, elle pourrait le faire, elle était supposée avoir l'autorisation. Parce que c'est un bon fidèle qui n'est pas armé, qui pourrait le côté un bon nec qui est armé. Même la police n'a pas aller faire ça. Et pasteur, je crois que pasteur Marco a tenté de faire. Donc, qui fait que je pense que je ne peux pas déresponsabiliser pasteur Marco, même à plus dit que la police encore a échoué ou bien le gouvernement. Parce que s'il y avait un travail qui a été fait, tout le monde était là, en bien, il n'y aurait pas un pasteur Marco qui voulait aller libérer certains gens du côté de Canada.